La vraie difficulté, ça a été de se dire qu'après 2 années blanches, est-ce que le public qu'on avait, je crois, touché, qu'on avait un peu conquis en 2019, ou en tous les cas qui s'était laissé embarquer par l'aventure, serait-il encore au rendez-vous en 2022? C'était un peu une des grandes difficultés. Et puis cette année est quand même aussi particulière parce qu'il y a des problèmes d'accès avec une augmentation substantielle des frais de production. Le pétrole, vous le voyez bien, il est à la pompe, pas bon marché. Tout ça amène aussi chaque spectateur à avoir des difficultés financières. Venir à un festival, on sait que ça coûte en déplacement, c'est que ça coûte en restauration, c'est que ça coûte ne serait-ce que le billet d'entrée. Donc voilà, c'est cet ensemble de difficultés qui ont pas mal jalonné l'aventure de 2022. On a senti quand même relativement vite que les festivals allaient pouvoir se dérouler cet été au regard de la crise pandémique. Après, l'histoire nous montre qu'un festival en plein air, ça reste quand même toujours quelque chose d'ultra fragile. Si on remonte un tout petit peu en arrière sur les quelques semaines qui viennent de s'écouler, on a vu, c'est une première, un festival abandonné pour cause de canicule. Je pense au Free Music à Montendre, annulé pour cause de canicule. Je crois que ça fait jurisprudence, c'est une première. On a vu Will of Green sabré pour une journée à cause des intempéries. Voilà, on sait qu'un festival, ça reste quand même quelque chose de très fragile. C'est un écosystème un peu singulier, un peu compliqué. Et on n'est jamais sûr de rien jusqu'au moment où on ouvre. Hier soir à 2 h du matin, au moment de faire monter Braco sur le plateau, il y avait eu une énorme averse. On n'était pas sûr de pouvoir les inviter à jouer leur deuxième set à 2 h 15 du matin. Bon coup de bol, la météo étant assez précise aujourd'hui, on savait qu'on avait une fenêtre de tir de 40 minutes durant lesquelles il n'allait pas pleuvoir au-dessus de l'aérodrome de Guéret. Donc on a pu faire le set. Magnifique, jusqu'au boutiste, qui a, je crois, hier soir, fait l'unanimité auprès de nos spectateurs. Ça, c'est une pépite, parce que c'est un groupe qu'on voit pas beaucoup, y compris dans les SMAC. Il se trouve qu'on a eu la chance, nous, de les programmer à la Sirène à l'automne dernier. On les avait vus au Transmusical dans les bars en transe. Avec Sébastien, on a pris une vraie gifle, parce qu'on aime bien ce rapport. Très fractal avec le public, très très frontal, très percussif. Et on les avait totalement imaginés dans nos têtes avec un public à 360 degrés et dans cette espèce de dimension biface, l'un regardant l'autre et donnant une énergie de sauvage. Thank you.
Alors, je vous ramène dans un temps ancien où on était un peu plus libre. C'était en 2016. Les flics étaient un peu moins armés. Et Lorraine et moi, on travaillait dans le même bar. Et on est devenus copains. Et on s'ennuyait, du coup on a fait de la musique. Parce qu'à l'époque, tu pouvais te mettre au chômage pendant un an et chiller, on te sucrait pas tes allocs, du coup, toi je sais plus, mais enfin moi je me ouais. Du coup on s'était mis au chômage en même temps et on s'était mis à. Du coup on avait utilisé ce temps-là. Comme quoi c'est hyper utile le chômage. S'il n'y a plus de chômage, vous allez vous faire chier quoi. La première étape dans un premier temps, c'était de faire de la musique avec un autre pote qui savait pas chanter, qui racontait n'importe quoi, c'était hyper drôle. Du coup, on a arrêté, mais on l'aime. La deuxième étape, c'était de se dire, et si on utilisait plutôt des machines? On n'avait jamais trop fait ça. Lorraine, ça intéressait beaucoup. Moi, je voulais plus d'un truc garage, et c'est vrai que ça me changeait un peu. Du coup, on s'est vraiment mis dans un processus de recherche pour essayer de trouver un son un minimum original. Parce qu'on se disait, c'est quand même un petit peu dommage de refaire, même si t'as des groupes qui le font hyper bien, t'as quand même pas mal de groupes qui refont des recettes existantes déjà. Après, parfois, c'est quand même hyper génial. Même souvent d'ailleurs. Et du coup, on s'est mis dans ce truc-là et en fait, on s'est mis à faire des concerts et c'est surtout via ce truc de concert qu'on a créé l'esthétique et le son qu'on fait. Bah, les principaux freins, c'est quand même toute la chaîne médiatique qui est quand même relativement pauvre. Moi, je sais que j'ai été vachement nourri par la radio. J'ai beaucoup écouté Le Noir sur Inter, beaucoup écouté Nova, beaucoup écouté les radios alternatives quand je faisais mes études. J'ai le sentiment que les modes de consommation ont énormément bougé. Donc, pour se faire connaître aujourd'hui, ça peut être potentiellement un frein, même si on pourra tout à fait me rétorquer que
certains albums de musique urbaine se débrouillent par eux-mêmes, sans l'appui des maisons de disques, avec un travail de réseau très bien coordonné, très bien ciblé. J'ai l'impression qu'on est quand même dans un pays où pouvoir travailler dans des bonnes conditions, c'est tout à fait possible. Il y a des studios de répétition dans quasiment toutes les villes de moyenne importance en France, avec des prix d'accès qui sont quand même tout à fait raisonnables. Donc j'ai un peu du mal à répondre à ça, mais en même temps il y a plein de dispositifs quand même pour être découvert qui existent. On peut penser au réseau Printemps, on peut penser au réseau Chorus, on peut penser au travail du chantier des Franco, on peut penser au travail réalisé dans toutes les salles de France en matière de politique d'accompagnement. J'ai l'impression que le talent, il est quand même assez bien repéré en France. Enfin, je trouve que c'est assez romantique l'idée que le génie n'a jamais été reconnu. Toujours un peu du mal à croire à ça, mais... La gloire posthume a existé pour Van Gogh, hein, mais j'ai quand même le sentiment que le panel de possibilités de diffusion, la multiplicité des canaux, fait qu'on passe pas au travers trop, en tous les cas, des génies incompris. Principaux freins, c'est le fait que ce soit... En fait, la culture en France est trop professionnalisante. C'est un travail en France. Du coup, on pense plus à gagner de l'argent et à travailler plutôt qu'à faire de la qualité. Ça a des très très bons côtés d'être intermittent. Nous, on est intermittent et c'est hyper cool en soi. Mais le problème, c'est que ça peut influencer la créativité parce que tu as des gens qui vont se mettre à faire des choses pour choper des cachets ou qui vont faire des choses pour être un peu plus connu ou choper des meilleurs plans de manière générale. C'est un peu moins la jungle, quoi. C'est un petit peu trop organisé. Du coup, parfois, ça casse la créativité. We'll be right back.
But still, you were not impressed. Now you're.